sommes en Normandie. Nous avons aujourd'hui 3 chevaux à nous. Ce sont des chevaux de loisirs, balades, randonnées. On a nos chevaux ici depuis une vingtaine d'années. Enfin, le plus âgé, il a 20 ans. Nos chevaux étaient gardés au pré, dans un herbage, toute l'année, 24 heures sur 24. À vrai dire, je ne connaissais rien sur l'alimentation du cheval. Et un jour, un de mes chevaux de 16 ans, il a eu une fourbure et il ne pouvait plus marcher. Le vétérinaire nous a expliqué que mon cheval fourbu ne pouvait plus rester dans un pré. Donc, je devais trouver une autre solution, c'est-à-dire un paddock sec. C'était un carré enfermé où il devait passer le reste de sa vie sans pouvoir manger de l'herbe. J'ai voulu comprendre comment je pouvais améliorer la vie de mon cheval qui était destiné à rester dans un carré de rien. Et j'ai trouvé, en tapotant sur Google, des sites aux États-Unis et dont un site qui racontait ce que c'était un paddock paradise. Le commencement du paddock paradise chez moi, c'était avec ce petit pré derrière la maison, qui n'est pas très grand, il fait entre 3000 et 4000 mètres carrés. J'ai commencé à faire une piste tout autour. J'ai mis juste un système de clôture électrifié. Mes pistes font environ 3 mètres de large. La philosophie d'un paddock paradise est de reproduire l'environnement naturel du cheval. Jamie Jackson, quand il a écrit son livre, il a dit que le Mustang, il n'a pas de pathologie, il n'a pas de problème de fourbure, il est en bon état physique, hein, il est musclé. Le Mustang, c'est un mélange de chevaux qui sont arrivés aux États-Unis dans les années 1500 avec les conquistadors espagnols. L'endroit où Jamie Jackson a constaté que le Mustang n'avait pas de pathologie, c'était le Great Basin, le Nevada, le Utah, le sud de l'Oregon et le nord de la Californie. Jamie Jackson était un maréchal ferrant, il couvrait beaucoup de territoire, il avait beaucoup étudié donc, les pieds de ses chevaux à une certaine époque, dans les années 80, et ses chevaux ne présentaient pas de cas de fourbure. Donc c'était ça le début de sa théorie. Le cheval y vit dans un environnement de désert en altitude et donc il doit marcher. Il fait jusqu'à 20-25 km par jour pour aller chercher sa nourriture. Ça continue là et là c'est un petit peu moins large. Donc là il doit faire 2,50 m de large. Après un hiver avec les chevaux sur la piste, on voit très bien comment la terre se comporte. Et j'ai eu des coins très boueux et j'ai décidé de stabiliser pour que les chevaux aient leurs pieds au sec et qu'ils marchent un peu sur des cailloux. Un cheval qui est dans un pré en herbe, il va rester sur un terrain mou, boueux, toute l'année. Ses pieds, ils seront habitué à ce type de terrain. Donc quand il sort en extérieur, ses pieds ne sont pas adaptés à marcher sur des terrains durs. On veut mettre des textures de terrain différentes, des cailloux, des graviers, du sable, ce qui fait que quand le cheval y sort, il est habitué à marcher sur ces terrains-là. On cherche une usure naturelle des sabots. Alors, tout le monde se réunit ici. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce dégagement, parce que quand il y a un cheval qui est embêté par les autres, ben, il peut arriver là et se dégager des autres. Allez, au lieu de marcher sur les cailloux, là, les chevaux préfèrent marcher sur la terre. Ils ont fait leur petit chemin qui est en terre, à côté.
Et je n'ai pas voulu le supprimer parce qu'on ne cherche pas un terrain plat, parce que dans la nature, ça n'existe pas. Soit ils enjambent les bouts de bois, soit ils marchent sur les cailloux pour les contourner. Là-bas, dans le Great Basin, c'est les terrains rocailleux. Dans ce milieu, naturellement, il n'est pas ferré. Il parcourt entre 20 et 30 km par jour et ses sabots sont en parfait état. Dans le Paddock Paradise, on essaye de reproduire ce même système de usure de sabots, une usure naturelle pour limiter l'intervention de l'homme dans le parage des sabots. Souvent, on voit les chevaux dans les prés qui sont tout plats, qui font rien, quoi. Ils ont toujours leur nez dans l'herbe. Donc, je suis contente, ils font copain, là. Dans le milieu naturel du cheval, il n'y a pas d'abri. Le cheval, il est exposé à tous les éléments. Chez les chevaux domestiques, on essaie de proposer à nos chevaux un abri. Cette piste-là, elle emmène à l'abri. Ils utilisent cet abri surtout en hiver. Sinon, en ce moment, ils ne l'utilisent pas trop. Parce qu'il y a des mouches et ils préfèrent aller dans le box. Et là, ils y vont pour se protéger des mouches. Jimmy Jackson, quand il a observé les chevaux dans la nature, bien que le domaine était grand et à l'infini, le cheval il se déplace pour chercher sa nourriture en troupeau, avec la jument dominante devant et les talons derrière le troupeau pour la surveillance. Et tout le monde se déplaçait en file indien. Il se créait des pistes, hein, donc dans un paddock paradise, hein, on voulait faire pareil. Donc on met du foin le long des pistes pour qu'ils puissent avancer, manger, avancer, manger, avancer, manger. J'ai mis aussi des filets à foin qui sont accrochés à plusieurs endroits différents. Et comme ça, ils ne restent jamais au même filet longtemps. Ils changent tout le temps, donc ils marchent. Le Paddock Paradise, c'est pour encourager le mouvement. Alors, ils ont la méthode. Pour l'alimentation de nos chevaux sur un Paddock Paradise, on propose du foin. Alors, la meilleure solution, c'est d'avoir des foins de qualité différente et des endroits différents. Chez moi, je n'ai pas cette solution. Je fais mon propre foin. Mes chevaux vivent dans un milieu fermé, c'est-à-dire un hectare ou un hectare et demi. Ils mangent la même chose toute l'année. Du coup, je fais analyser mon foin pour savoir ce qu'il y a dedans. Je fais des gamelles et j'utilise des graines de lin pour l'apport en oméga 3 et j'achète des poudres de vitamine E. Moi, je fais la gamelle de... de lin moulu. Salé. Un tout petit peu pour ta côte. Allez, vas-y, les sabots de Oufir, le bai, lui, il avait des talons fuyants. Il est déferré depuis 2 ans. Et on essaie de corriger ça. Et puis, bon, ça commence à aller beaucoup mieux maintenant. Cette année, c'est vraiment... Tout ça, c'est ce qu'il faut apporter en complément du foin. Mais ce que je veux essayer de faire dans mon Paddock Paradise, qui n'existe que depuis 3 ans, c'est que je plante le long des pistes
des arbres et des plantes qui peuvent apporter quelque chose à mes chevaux. Et donc j'ai commencé à planter des framboisiers, des églantiers, des frênes. Et les chevaux, ils auront accès libre à ces plantes-là. Ces plantes sont vraiment nécessaires pour le cheval, surtout dans un espace confiné, parce que ça lui apporte une biodiversité assez importante. Alors ça, c'est donc mon petit paddock paradise. Les chevaux, ils y sont dans la journée. Dans l'après-midi, je les emmène en face sur le grand paddock paradise. Je dis grand parce qu'il ne fait qu'un hectare. Mais là, ils ont à peu près 500 mètres de piste. Nous sommes ici dans le deuxième paddock paradise qui fait un hectare. Ils étaient ici à l'année sur l'herbe. C'est ici que j'ai découvert un jour que mon cheval ne pouvait plus marcher. Et depuis, j'ai construit ce système de pistes. On voudrait que le point d'eau soit un endroit éloigné des aires de nourrissage. Parce que dans la nature, les mustangs, ils ont un point d'eau et ils tournent autour de ce point d'eau. Ils ne reviennent qu'une fois dans la journée. Donc ils auraient parcouru une vingtaine de kilomètres pour se retrouver à un moment dans la journée pour aller boire. Ils restent là un certain temps et après ils repartent et ils refont leur chemin dans un autre sens ou quoi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont tous au point d'eau en même temps. Le cheval blanc, le gris, là, c'est lui qui était fourbu, mais regardez, il va très bien. Un cheval, il vit 30 ans, et même 40 ans, s'il est en bonne santé. Et le but de nous, propriétaires de chevaux de loisirs, c'est de les avoir le plus longtemps possible et en meilleure santé possible. Et la meilleure santé, c'est la façon du paddock paradise. Les trois chevaux qui sont au foin, ils n'ont jamais été en aussi bonne santé que maintenant. Je ne reviendrai jamais à mettre un cheval au pré. Jamais.